sang. Un, deux, trois. Quel est l'imbécile qui a creusé un tunnel ici? C'est nous, Joe. Alors, les Dalton, on prend le frein? Tous mes plans foirent lamentablement. Je suis une buse, la honte de la famille. Mais non, Joe. C'est toi le meilleur. Oui, t'es le plus bête et le plus méchant d'entre nous. Alors, Joe, on a mal dormi? On a du flan dans les biceps? Je crois que tu nous l'as vexé. Chouette, une histoire drôle. Moi aussi, j'en connais. Alors, c'est Toto. Il va au marché. Oh, il attend même pas la chute. Un détenu déprimé, c'est pas bon pour un bagne. Vous allez me le remettre sur pied. Je ne veux que des détenus heureux d'être là. Un corbeau mort, une pierre tombale, un champ de fleurs. Oui, Joe, c'est bien. Qui se fane? Il n'a plus aucune énergie ni aucun désir d'évasion. Oh, c'est gênant. Si en haut lieu, on apprend que Joe Dalton ne s'évade plus, on va me supprimer les crédits. J'ai pensé qu'en le replaçant dans une situation qu'il aime, il pourrait retrouver goût à la vie. Allez, Joe, te laisse pas aller. La vie est belle. Ouais, pense positif. Ça pourrait être pire. Tu pourrais être petit et moche. Joe, nous avons une surprise pour toi. Voilà, c'est par là. Oh, Joe, une banque. Ça ne te rappelle rien? Oh, le célèbre Joe Dalton. Ne me faites pas de mal. J'ai même pas d'économie à y déposer. Hé, hey, j'en ai une bonne. Je suis vert, rond, je monte et je descends. Qui suis-je? Un petit point qui fait du trampoline. Oh, je suis bien imprudente de me promener seule avec autant d'argent. T'es là, Joe, ça ne te donne pas des idées? Je vais vous aider à traverser. Non, mais ça va pas! Et celle du teckel qui repeint son plafond. Oh, il la connaît. T'es là, Joe, toujours pas d'envie? Si, vomir. J'abandonne. Il est incurable. Et si on faisait en sorte qu'une de ses évasions réussisse, hein? Ça lui redonnerait confiance, non? Mais c'est un détenu, monsieur le directeur. Oui, oh! Mais elle ne réussirait qu'à moitié. Ah. Nous nous absentons quelques longues minutes. Heureusement que la porte est bien fermée. Cette manie de laisser les portes ouvertes. Qu'il le veuille ou non, il s'évadera. Je crois que cette fois, on est tranquille. J'en peux plus, il va me rendre dingue. Je veux des bagnards heureux, heureux, pas des têtes de 6 pieds de long.
Je suis dépressif. C'est pas de ma faute. Et moi, je suis au bord de la crise de nerfs. Faut vous soigner. J'ai trouvé, monsieur le directeur. Alors, l'idée que j'ai, c'est que peut-être on pourrait faire ça. Et, bon... Oh, mais c'est impossible. Il a pris sa retraite. Oui, peut-être, mais... Oh, ben, j'ai... Joe Parloir. Ouais, Joe. C'est bien moi. Laissez-moi le descendre. Ça y est, il revient, lui. Suis un pauvre directeur solitaire, loin. Ce cow-boy me rappelle quelqu'un. J'ai trouvé Batman. C'est calme. Qui veux-tu qui s'évade avec une chaleur pareille? Avec cette chaleur, Matt trouverait pas ça très raisonnable de s'évader son chapeau. Silence, imbécile! Tu vas nous faire repérer. Ça y est, Joe, on est de l'autre côté. On peut sortir. Chut. Allez. Chut. Dans le trou, vite. Vite, ils arrivent. Moi, le libéral. Lâchez-vous, Germe, ou je descends de Joe Dalton. Et avec quoi? Ouvrez la porte, ou je flingue Joe Dalton. Ben, qu'est-ce que t'attends, Joe? Et je descends Jack et William. Vous êtes revenus chercher des chapeaux? Tiens, ils ont inventé un nouveau jeu. Essayons de comprendre les règles. 5 clients. Je risque de perdre 5 clients d'un coup. Je vais les ramener à la raison. Allons, allons, vous n'allez pas vous chamailler comme ça. Allez, serrez-vous la main et rentrez dans vos cellules. Fuyons ensemble, Stinky Bill. T'as les armes? On a le trou. Quelque mugger, moi, c'est ça? Maintenant, vous ouvrez la porte ou je descends en otage. Lui? Je suis prêt à négocier. Libère d'abord un otage. Ok, j'en libère un et je fuis avec les 3 autres. Moi. J'ai envie de rester ici. Aujourd'hui, il y a un chi à la cantine. Je vous retrouverai après. Comment tu nous retrouveras? Ben, vous enverrez l'adresse de votre planque à Monsieur Peabody. Oh, ben c'est l'heure des claques. Bon, c'est un jeu où on se bat à l'intérieur d'une même équipe. Tiens-moi ça. Ils se calment, les frères pétards. Y'a que moi qui ai le droit d'abîmer les otages. T'as compris? Tu tiens un carreau, la rayure. Faut nous laisser filer ou je descends, Stinky Bill. À la soupe. Bon, on l'abandonne. À partir de maintenant, on est les 3 frères Dalton. Oh non, Joe. La famille, c'est sacré. J'échange Stinky Bill contre Avril. Mais on n'aura plus d'otages. Non, mais on a les armes. Un échange? D'accord. Rendez-vous sur le chemin de ronde. On travaille et aussi une grosse portion de hachis. Bon, on active. Voilà, passe-moi les assiettes.
Je tiens le tonnage. Oh non, ça va pas recommencer. Là, c'est carrément grotesque. Allez, toi, fais pas le malin et rends-toi. Quoi, tu te rends? Je t'ai pris en otage le premier. Eh ben, on va y passer la nuit. Ah, dans ce cas, on va les aider un peu. C'est la berceuse que nous chantait Ma. Oh, arrêtez! Vous voyez pas qu'ils essaient de nous endormir? Il faut se maintenir éveillé. Les règles deviennent de plus en plus complexes. Écoutez, y a plus de musique. On est libre. On s'évade. Hey, mais y a pénalty là. Pédo. Alerte. Oh, on trouve notre camp et basta. Joe, on n'y voit rien. La ferme. Trouvez notre trou. Ouais, mais on n'y voit rien. Mais où est ce fichu trou? Aïe. J'avais jamais vu tous ces cactus dans la cour du pays d'Ancien. Là, il y a trou. Dalton, courrier. C'est quand même sympa de sa part de nous écrire. J'ai toujours senti que c'était un type bien. Attends que je retrouve mes bras, tu vas sentir autre chose. J'ai reçu vos bulletins trimestriels. Jack, gros progrès en cassage de cailloux. William, attention à l'entretien de boulet, tu peux mieux faire. Avrel, 18 en camaraderie, bravo. Oh, mais toi, Joe, ton bulletin trimestriel, c'est n'importe quoi. Et alors, ça me rapporterait quoi de failloter? Des remises de peine. Grâce à sa conduite, Avrel n'a plus que 132 ans à tirer. Et toi, toujours 395. Ah bon? Et on peut avoir des très grosses remises de peine. On a vu des détenus libérés pour bonne conduite. Il y a bien un autre moyen. Si vous dénoncez vos camarades criminels, ça me ramontait gros. Mais pas un mot à Miss Petty. Elle trouve cette pratique immorale. Si on dénonce les copains, on risque pas d'être moins copains après. Autant se fâcher comme ça, on les regrettera pas quand on sera sortis. Ah ouais, pas bête. Allez, en chasse. Sournoiserie, hypocrisie et discrétion. Recycle pas les déchets. C'est bien. Ça vous fait, voyons voir, 37 secondes de remise de peine à partager. J'ai un tuyau en or. On a coincé Slam Joke qui écume les banques depuis des mois. Vous lui faites dire où il a caché son magot et là, c'est la très grosse remise. Ah.
Dalton. Toi et moi, on est deux grands fauves du braquage. Jamais entendu parler. Tu veux ma part? Et la mienne? La mienne? Même Joe Dalton se fait des amis grâce à ce climat de confiance que nous avons installé entre les détenus. Bon, c'est un début. On va lui sauver la vie. Comme ça, il nous sera reconnaissant. Bien bon, Slam. Je viens te sauver. Malade, toi! Yo! Je viens plus! Ah! Un serpent! Mais c'est quoi, ça? De faire du mal à une pauvre bête qui t'a rien fait! Me te menu, toi. Ouais. Même si on n'a pas de résultat, nos efforts méritent une remise de peine. Joe Dalton, et les informations que vous me rapportez sont un peu maigres. Pas d'info, pas de remise de peine. J'ai tout entendu, Monsieur Peabody, et je désapprouve totalement ce genre de méthode. Comme celle d'écouter report. De toute façon, un type comme Slam Joke ne sera jamais d'ami. Alors fin de l'expérience. J'ai une faveur à vous demander. Je peux dormir avec Avril? J'ai un peu peur des araignées. C'est insupportable! Avril, tu vas te fâcher avec lui et vite! Je croyais qu'il fallait sympathiser. Oui, ben maintenant, faut désympathiser. Oh, mais c'est pas possible, Joe. L'amitié, c'est sacré. Oh, mon sommeil aussi, il est sacré! Ah, mon magot! Oh, dans une tombe au cimetière de Rattlesnake Creek. Avec une croix, avec marqué Mago. On connaît la planque du Mago. L'affaire tient toujours. Mm-hmm. Allez-y. C'est très simple. Je peux pas. Ce Mago est là qui m'attend et je peux pas. Oh, ça t'a remise de peine. Moi, je sais où il est. Il est dans une tombe à Rattlesnake Creek. Slam Joke me l'a dit à condition d'être muté dans un pénitencier sans araignée et sans Dalton. J'ai trouvé ses plans d'évasion dans leur cellule. Quoi? Qui a fait ces plans? Grosse remise de peine pour qui le dénoncera? C'est lui! C'est lui! C'est lui! C'est moi? Vivement dans 132 ans, que je sois enfin seul. Living.
chef, qu'allons-nous préparer aujourd'hui? Eh bien, nous allons concocter les piments au lard façon vrai faucon. Une farandole de saveur, un régal pour les papilles. Waouh! Waouh! Wagadougou, 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 wah, wah! Après, elle refait la recette et que ça saute. À table. Dan. Non, toi d'abord. Et maintenant, éternue. Bon. Ben, où est-ce qu'il est? Ben là, Joe. Mais moi, je le trouve délicieux, mon ragoût. C'est le ragoût d'Avrel qui l'a rendu invisible. Avrel, t'es un génie. Laisse-moi t'embrasser. Ben, je suis là, Joe. Ça marche. On est invisible. Allez, enfonce. Joe, invisible, ça ne veut pas dire qu'on peut traverser les murs. Garde, il y a des bêtes dans notre cellule. Hein? Quelles sont les bêtes? Oh! Alerte! Alerte! Les Dalton ont disparu! Disparu? Sans laisser de traces, rien, ni de runway, ni tunnel. Fermez toutes les issues, ne laissez personne sortir. Ils sont certainement encore dans nos murs. Qu'ils se montrent un peu pour voir. Rien n'échappe à Melvin Peabody. Oh, ça vous fait rire? Je vous demande pardon. Et maintenant, on pique les clés chez le directeur et ensuite on disparaît. Hé, hein? Hey, mais je vole! Je vole! Avrel, c'est quoi ce chien? Ben, un souvenir, Joe. On voyage léger, pigé. J'ai toujours rêvé d'être un super-héros! Si, si, vous avez ri, Emmett. Ils sont où, bon sang? Attention, voilà quelqu'un! Pas possible. Ingratitude. Ah, merci. Il va tout faire foirer! À la garde! À la garde! J'arrive! Super! Rentre bleu! À la garde! À la garde! Passez vite! Qui est là? C'est nous, les Dalton! Oh. Les clés! Les clés? Mais je n'ai pas les clés! C'est vilain de mentir! Oh! Oh, pardon, patron! Les Dalton, ils sont invisibles, là, devant vous. Où ça? Ici. Rassurez-vous, je suis là. Mes yeux de super-héros vont très vite localiser les fuyards. Vite, on stagne. Joe, la potion n'agit plus. L'essentiel, c'est qu'on ait les clés. Oh, laquelle c'est?
Hop, 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 on n'est pas payé pour chasser des fantômes. Je double votre salaire. Je triple. Je quadruple, et c'est mon dernier mot. Bon, ok, combien? Le pénitencier est hanté. Le pénitencier est hanté. Hanté? 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 Non, c'est fichu trop sombre. Ah, voilà. Regardez, regardez et appréciez la liberté qui nous tend les bras. C'est beau, non? Bon, on y va, Joe. Attends, c'est un moment à savourer. Rien ne nous presse. Plus un geste! Et les mains en l'air! Enfin, celles qu'on peut voir. Oh, encore raté! C'est énervant à la fin! Ah, mais ça suffit maintenant, Avril! J'y peux rien, Joe! J'ai du mal à digérer la potion! Non, j'ai pas oublié mon pantalon. Je le porte sous mon slip, comme tous les super-héros. Monsieur Peabody, Lou Cinglet me parlait des méthodes de détention des Indiens. C'est très intéressant. Chez nous, pas de barreaux ni de chaînes. Les détenus travaillent en liberté. Les Indiens leur font confiance et les délinquants se réinsèrent presque toujours dans la tribu. Taux de réussite de 98,72%. Lou Cinglet me proposait de prendre quelques-uns de nos détenus en pension pour vous prouver l'efficacité de sa méthode. Vous croyez que ça peut marcher? Ma foi, pourquoi pas? C'est une occasion en or. S'évader de chez les Indiens, ce sera du gâteau par rapport au pénitencier. Alors, il paraît que chez vous, on ne casse pas de cailloux. Oh, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous ennuyer. L'autre mal, je t'ai trouvé des employés de maison. Je me demande pourquoi on m'a fait venir. Je sais, comme chien de berger pour garder le troupeau. Alors, heureuse ma petite loutre. Moi pas. Je suis un Dalton, pas une femme de ménage. Au lieu de piailler comme des papous, allez donc balayer le camp. Ok les gars, on prend un air naturel. C'est perdu. Le village, c'est bien par là. Dormez tranquille, braves gens. Contemplons veille sur le bétail. C'est bon. Boyau de coyote, c'est super solide. Y a pas un moyen de les ramollir? Si, faut marcher. T'avais raison, Joe. Ça serait quand même plus dur de mâcher les pierres du pénitencier. Ça y est, Joe. Allez, on file à l'indienne. Oh, le troupeau monte aux alpages. Mmh.
Le printemps arrive, les coyotes migrent vers l'ouest. Allez, mon troupeau, on redescend au village. Allez, hop, hop, hop. Tenez, vous éplucherez les écureuils pour le déjeuner. Croyez que les Indiens mangeaient du bison? Normalement, oui. Mais dans le coin, il n'y a qu'un vieux bison très méfiant. On va vous l'attraper, nous. On est des spécialistes. Observez et surtout, restez bien en arrière. Oh, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre pour rabattre le gros mouton. Vous comprenez quelque chose à leur technique? Il ne vous reste plus qu'à reconstruire le village avant ce soir. Pas question, y'en a marre. On rentre au pénitencier. Ouais, on va mâcher des pierres. En même temps, un peu d'exercice, ça fait jamais de mal. Bonne nouvelle. On rentre? Vous restez. J'ai vu Monsieur Peabody, comme tout se passe bien. Il vous laisse ici et il va relouer votre cellule. Je suis tellement fatigué que j'ai plus la force de creuser. On s'évadera jamais d'ici. Les autres squoms font la tête parce qu'à cause de vous, mon linge est plus blanc et mon tipi plus brillant. J'aime autant faire le ménage moi-même et garder mes amis. Partez! Vite! Ouvrez-nous avant qu'il change d'avis! Notre bonne vieille cellule. Nos bons vieux boulets. J'ai une question. Puisqu'on était libre, pourquoi qu'on est revenu ici? D'autres questions? Bon, allez, on dort maintenant. Trop court. C'est pas possible. On a mesuré deux fois la distance. Ah, c'était pour ça la ficelle? Parce que j'en ai coupé un bout pour mon Scooby-Doo. Bingo! Ni vu ni connu. Il y aura des nems à la cantine, alors! À l'occasion du nouvel an chinois, M. Ming Li Fu va nous initier à la culture de son pays. Il a besoin de volontaires pour l'aider. Faites parler votre cœur, voyons. Tendez la main à ce grand peuple qui a inventé le cerf-volant, les nems et la poudre à canon. Les nems. Je suis sûr que le chinois a tout un stock de poudre à canon. Et qui dit poudre à canon, dit poudre d'escampette. Alors, des volontaires? Il y aura des nems? Avril! Aïe! Monsieur Ming Li Fu va nous montrer comment ses ancêtres cultivaient l'art de se défendre. Des volontaires? Avril! On le massacre et on pique l'explosif quand il est à l'infirmerie. Pour trouver la voie du Kung Fu, il faut acquérir l'élasticité du crapaud. Et la puissance.
de buffle. Sans oublier l'intelligence distincte. Hein? Et maintenant, vénérable public, je vais imiter la férocité d'une maman tigre dont les petits sont menacés. Bravo! Et maintenant, la démonstration de médecine chinoise. J'ai besoin d'un cobaye parmi honorables repris de justice. Quoi? L'acupuncture fait circuler énergie en stimulant point névralgique. En piquant clavicule, j'en libère retenue. Oh! Oh! Pour expulser virus grippal, je stimule nerf nasal. Sympa l'acupuncture, mon nez est débouché. Rigluant au miel. Attention, très gluant. Il commence à me courir avec ses chinoiseries. Bon, ben, je vais chercher la sauce piquante. Rouleau de printemps à la mode Dalton. T'as la sauce piquante, Joe? Vieille plaisanterie chinoise avant traditionnelle danse du dragon. Ming le fou pas pu résister. Bonnie, c'est le moment de faire parler la poudre. Fais gaffe, Joe, c'est plein de riz gluant. T'inquiète. Les effets spéciaux sont superbes. Votre initiative d'échange culturel est une réussite, mademoiselle Betty. Direction la porte, et que ça saute. Une énorme saucisse grillée. Arrêtez-les et je double vos primes. Ouvrez la porte ou j'explose le petit personnel. Oh! Je ne céderai pas à cet odieux chantage. Et on pourrait peut-être négocier. Hors de question, c'est du bluff. Il n'a pas l'air de bluffer, là. Soyez sans crainte. Si vous mourrez, vous serez indemnisé. OK, vous l'aurez voulu. Rigluant ne décolle jamais. Aidez-moi. Misérable moustachu à rayures s'est trompé d'explosif. Ça, c'est bouquet final pour feu d'artifice. C'est pas juste.